Yo les duellistes, c'est Monster Rebound et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième ouverture donc sur DL Link. On avait déjà ouvert un paquet, 10 paquets de l'extension Clash of Wings il y a une petite semaine. On avait eu une seule ultra rare, j'aurais bien voulu loot la deuxième et puis j'aimerais bien quand même me faire un petit deck Mercer Fourrure. Donc on est reparti cette semaine, cette fois non pas avec 500 mais 1000 gemmes. J'ai un peu écho l'histoire de pouvoir me faire une petite ouverture sympa. J'espère qu'on va pouvoir loot cette deuxième ultra rare que je n'ai pas encore. Et puis compléter un peu notre deck Mercer Fourrure. Alors c'est parti, on va dans la boutique. Toujours un petit peu long le chargement de la boutique. Clash of Wings. Et c'est parti, on achète un premier lot de 10 boosters, donc à savoir 30 cartes. Et c'est parti, je croise les doigts. J'aimerais bien avoir des Mercer Fourrure, j'ai vu 2-3. Liste de decks qui était assez sympa, qui visiblement marchait super bien. Donc bah, je me dis que si je pouvais maxer un petit peu sur ce jeu là, ça pourrait être drôle parce que bah, les cartes ont l'air d'être assez intéressantes. Globalement ça permet d'invoquer les monstres au fur et à mesure et de remplir son terrain très très rapidement. Ok, première Mercer Fourrure et je ne l'avais pas. Deuxième paquet, ok. Une Mercer Fourrure, nickel. J'espère loot. Ah ok, nice. En fait, je pense que j'avais les deux autres cartes. J'ai pas bien fait attention à ce que j'avais. Bon, c'est pas très grave, mais en tout cas, celle-là, je ne l'avais pas. Et c'est une super rare. Alors, tac. Une carte magie Mercer Fourrure. Encore la même carte magie Mercer Fourrure. Ok, nickel, j'avais pas cette carte là. Ça a l'air d'être assez intéressant là, sur les decks reptiles. Ok. Nickel, j'avais pas non plus. Ok, non. Oh, ça sent le gros loot là, non? Une super rare. Nickel. Nickel, nickel. Bon, on n'a pas eu l'ultra rare, il nous reste 500 gemmes. Bon, tu me dirais, il reste encore un paquet, hein. On n'a pas eu l'ultra rare, j'aurais bien aimé la loot. On a eu sur ces 10 boosters 4 nouvelles cartes, dont 2 super rares. C'est pas trop mal non plus. On va retenter notre chance avec nos 500 gemmes, en espérant loot l'ultra rare qu'il me manque. Parce que même si ça marche pas forcément avec les Mercer Fourrure, je pense que ça pourrait être intéressant à jouer avec d'autres cartes. Ok, on avait déjà du coup. Ok, je n'avais pas cette carte là, je suis pas certain de m'en servir, mais en tout cas elle est fun. Toujours cette histoire de lancer de pièces, je suis pas très fan de jouer un duel sur le hasard en fait. Notre fameuse ultra rare. Ok, une nouvelle carte que je n'avais pas encore. On s'approche de la fin. Ok, encore une carte que j'avais pas. Bon, même si on loot pas l'ultra rare, j'aurais quand même complété un peu ma collection. C'est pas trop mal, mine de rien. Et puis, bah, je vais pouvoir compléter un peu et voir ce que je peux faire avec ce fameux deck Mercer Fourrure, quoi. Ok, Chevalier Automate, l'image de cette carte est carrément cool. Ça aurait carrément pu être une carte que Yugi aurait joué, je pense. L'idée, l'âme des cartes, tout ça. Et là, il n'y a pas de monstre, donc on n'aura pas d'ultra rare sur ce loot. Tant pis pour moi. Et cette fois, on a eu 6 nouvelles cartes, 7 nouvelles cartes, 8 nouvelles cartes. Ah, on a eu. Oui, ces deux ouvertures sont pas trop mal quand même. Ces deux ouvertures sont pas trop mal. C'est un peu dommage parce que du coup, bah, j'aurais bien voulu loot cette ultra rare. Hein. Alector souverain des oiseaux, si votre adversaire contrôle minimum de monstres, face recto du même attribut, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Durant ce tour, les effets de la cible sont annulés. Il ne peut y avoir qu'un seul Alector souverain des oiseaux face recto sur le terrain. Ça veut dire que si je suis le premier à l'invoquer, l'adversaire ne peut pas l'invoquer. Un monstre à 2400, à condition que l'adversaire joue deux monstres avec le même attribut.
C'est pas trop mal, sachant que nous on n'a pas de minimum syndical. Hein. Si l'adversaire a deux monstres, que nous on en a déjà deux également, on peut invoquer Alector et on repart avec un monstre à 2400 sans avoir fait de sacrifice ni rien du tout. Donc j'aurais bien aimé loot cette carte, sachant que les decks BTL, alors pas forcément un deck Damarpie, hein, mais ça peut être un deck Elnoir ou des choses comme ça. C'est des decks intéressants, j'aurais bien aimé le loot. Je pense que je retenterai ma chance d'ici quelques temps et je referai sûrement une vidéo. Bon, et eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo avec moi, cette petite ouverture. On n'a pas eu l'ultra rare, c'est dommage, mais c'est pas grave. On a quand même eu quelques cartes assez sympas. Et puis sur ce, je vous dis faites de nombreuses collections de cartes et duels. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao!